Excellent. Donc, l'enregistrement est parti. Bienvenue dans votre appel de nouvelles coachs. Vous êtes en train de terminer la formation pour la plupart. Donc, on va faire un petit recap de tout ça pour bien s'aligner, pour bien commencer en tant que coach. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Vous me direz si vous voyez bien la diapo. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va parler des essentiels pour bien se lancer en tant que coach dans son entreprise. Donc, voilà. Première chose que j'ai à dire, c'est que tes ressources... en fait, je veux te parler des ressources que tu as, les possibilités que tu as quand tu as des questions. Premièrement, la première classe à aller voir, c'est ton coach online office. Il y a de tout dans cette plateforme-là. Donc, sur teambeachbody.com, tu te logues en haut dans Sign In, tu t'en vas dans Coach et tu te relogues sur ton compte. Il y a de la formation supplémentaire. Il y a là-dessus vos détails de vos payes. Il va y avoir là-dessus absolument tout ce que vous avez besoin en tant que coach. Deuxième place, où est-ce que vous pouvez avoir des ressources, c'est la page d'équipe, donc la page La Brigade, où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. On a classé tout dans les modules aussi à gauche. Puis, si jamais vous avez des questionnements avant toute chose, allez voir à cet endroit-là, allez cliquer sur la petite loupe et faites une recherche par mot. Exemple, si vous cherchez des idées de défis gratuits, bien, vous pouvez inscrire dans la petite recherche « défis gratuits ». Vous allez tomber sur toutes les publications où est-ce que le mot « défis gratuits » à l'intérieur et ça va pouvoir vous donner plein d'idées. Donc, probablement que si vous vous posez la question a déjà été posée. Donc, super rapide dans cette petite recherche-là parce que des fois, notre coach en haut de nous n'est pas toujours disponible au moment où on voudrait qu'elle le soit. Donc, la page d'équipe, c'est vraiment un bel outil pour s'aider et pour aller faire des recherches rapides. Il y a aussi le FAQ sur Beachbody on Demand, sur Beachbody, excusez. Encore là, c'est des recherches par mots-clés et toutes les informations reliées à Beachbody s'y trouvent. Donc, si tu as une question, si tu vas par recherche, c'est sûr que c'est dans Beachbody. Et nous-mêmes, quand on vous divulgue des informations, on les prend dans les FAQ sur Beachbody. Dernière plateforme où est-ce que vous avez beaucoup de ressources, ça va être le Team Call, les Team Calls qu'on fait à tous les mercredis à 20h30. Aujourd'hui, c'est 20h, c'est lundi pour l'appel des nouvelles coachs, mais à tous les mercredis, on fait un appel d'équipe. Donc, vous pouvez les suivre dans les événements, dans la brigade, le groupe La Brigade. Vous allez avoir tous les détails des prochains Team Calls, les sujets et tout ça. Et il y a aussi le National Wake Up Call qui est enregistré. Il me semble que c'est TBB, Coach 4-1 ou quelque chose comme ça sur Facebook. L'appel est enregistré, c'est en direct, mais vous pouvez réécouter en rediffusion à tous les lundis. Donc, c'est souvent des coachs américaines qui viennent nous parler de leur expérience ou de sujets X. Donc, super intéressant, très belle façon de développer son entreprise et de faire du développement professionnel. Donc, voilà. Là, on va continuer, ça sera pas... Oups, j'allais trop vite. Donc, principale chose, je le répète, tu dois déjà le savoir, mais la principale, ton principal rôle en tant que coach, c'est de prendre soin de toi en premier. C'est le plus important parce que on montre l'exemple aux gens et comment montrer à quelqu'un, comment inspirer quelqu'un à s'entraîner quand on ne le fait même pas nous-mêmes. Donc, première chose que je t'encourage à faire, c'est de te choisir un entraînement et de le faire de A à Z. Donc, exemple, si je choisis le 21 Day Fix, bien, je le fais au complet, même si je me rends compte qu'il me rejoint moins. Le processus au complet va vraiment t'aider à créer l'engouement avec les gens, va t'aider à ce qu'ils s'identifient à toi. Même chose pour la nutrition. On a deux plans disponibles, donc le To Be Mindset et le Ultimate Portion Fix.
Je vous encourage fortement à visionner les deux, à regarder les deux, à essayer les deux, mais de choisir votre recette gagnante pour vous et de le partager à tous les jours sur vos médias sociaux. Autre rôle qu'on a, c'est de s'occuper de ce qu'on a ici entre les deux oreilles. Donc, développement personnel à faire absolument à tous les jours, c'est souvent ce qu'on met de côté parce que on veut pas, pour X, Y raison, c'est souvent ce qu'on met de côté, mais honnêtement, je vais vous le dire, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va vous aider à garder le cap dans les moments où est-ce que c'est plus difficile, parce que c'est pas toujours faux. Donc, on continue. Je vais tasser ça ici. Donc, en expliquant un peu ce que je viens de détailler, on est le produit du produit, donc on montre que les produits que nous utilisons, ils fonctionnent. Ensuite, il y a aussi le développement personnel que je viens juste de vous expliquer un petit peu à faire tous les jours. Différence entre développement professionnel et développement personnel. Professionnel, ça va être dans les team calls, ça va être aussi dans National Wake Up Call, dans tout ce qui est formation d'entreprise. Personnel, ça va être tout ce qui est mindset, tout ce que tu as besoin de leadership, que tu as besoin de développer pour toi-même. Il y a aussi des livres audio de disponibles. Je crois qu'Andréane prend Audible. Donc, il n'y a pas juste seulement la lecture qui est disponible, mais ça peut être aussi en audio. Donc, je reviens au deuxième point qui est créer des liens invités. Faire votre suivi, votre Business Activity Tracker pour le BAT. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est pas normal. Retournez dans la formation. Il y a en format numérique et en format où est-ce que vous pouvez l'imprimer. Donc, les deux versions sont disponibles pour celles qui sont encore papier. C'est possible. Et sinon, il y a la portion numérique. Donc, c'est super simple. On invite à tous les jours. Donc, on va contacter des gens. On va créer des liens avec les gens. Le but, c'est pas ici de nécessairement aller vendre tout de suite. C'est vraiment d'aller créer des discussions, d'aller jaser avec les gens. Puis, on va en parler un petit peu plus tard de tout ça. Donc, on veut aussi donner des résultats à nos clientes. On veut, en fait, les accompagner. Il y a plusieurs façons d'accompagner ces clientes. Premièrement, ta coach à toi a probablement déjà un groupe. Il y a deux types de groupes possibles. Il y a le groupe en continu, donc que tu inclus tes clientes au fur et à mesure, et le type de groupe que tu fais de 4 à 5 semaines et que tu changes de groupe à toutes les fois. Honnêtement, c'est vraiment un choix personnel. Si tu débutes en tant que coach, mais en fait, c'est sûr que tu débutes c'est sur cet appel-là, mais je t'encourage fortement à aller avec ta coach à toi pour tes premiers, pour la gestion de tout ça. Ça va te dégager de beaucoup de pression et ta coach est là pour t'aider. De plus, il y a maintenant sur la brigade aux 3 semaines les départs VIP. Ça, c'est pour toi et pour tes nouvelles clientes aussi qui viennent de se procurer des trousses de défis. C'est un groupe de 2 semaines pour justement les aider, les lancer dans tout ça, dans cette belle aventure-là, leur donner leur petit devoir, leur montrer à prendre leur mensuration et tout ça. Donc, c'est vraiment un super beau groupe quand tu commences. Tu n'as pas besoin de le gérer. C'est d'autres coachs de la brigade qui le gèrent. Donc, c'est vraiment un plus. C'est un beau travail d'équipe, tout ça. Donc, par la suite, j'ai la misère avec mon petit truc. Je t'encourage. Je vais y arriver. Je t'encourage. En fait, je te donne un petit devoir ce soir. C'est d'aller, de me faire une petite liste, ben, pas à moi personnellement, mais de vous faire à vous votre petite liste de 5 personnes que vous voulez aller contacter. Honnêtement, quand j'ai commencé le coaching, on me demandait de faire une liste de 100 personnes à aller contacter. Aujourd'hui, je te réduis un petit peu la tâche. Je t'invite à aller parler avec 5 personnes, juste prendre leurs nouvelles, de leur dire que tu veux leur parler de ta propre démarche et de savoir si elles-mêmes s'entraînent ou prendre, je ne vous dirai pas comment faire, mais juste de vous informer de ces personnes-là, de savoir où elles sont rendues et tout ça. Oui, donc panique, Monique! Donc, tu vas avoir des gens qui vont te répondre, tu vas avoir des gens qui ne te répondront pas.
Ceux qui ne te répondent pas, ce n'est pas plus grave que ça. On peut aller les relancer plus tard. Ils vont toujours peut-être être intéressés plus tard. Mais pour celles qui te répondent et qu'elles ont des questions, il y a deux possibilités. Moi, je vous encourage premièrement. La première chose que moi, je vous dirais de faire, c'est de prendre des screenshots de cette conversation-là. Si tu ne sais pas quoi dire, si tu sais quoi dire, quoi lui répondre, vas-y avec ton imagination à toi. Mais si tu ne sais pas quoi dire, je t'invite et je t'encourage à envoyer des screenshots à ta coach et lui demander qu'est-ce qu'elle répondrait et voir les possibilités de qu'est-ce que tu peux lui proposer pour avoir vraiment la bonne solution pour cette personne. Deuxième possibilité que tu as, c'est de faire une conversation à trois, de lui expliquer à cette personne-là, écoute, ça te convient, je vais te faire une conversation à trois, ma mentor va pouvoir t'aider, en fait, on va pouvoir t'aider à cibler mieux tes besoins et voir ça. Donc, c'est vraiment les deux possibilités. Mais toujours poser des questions. Puis, si tu n'es pas certaine de répondre la bonne réponse, toujours valider avant pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, premier objectif, c'est de contacter aider trois personnes à démarrer son entreprise avec une trousse défi. Qu'est-ce que c'est les trousses défi? C'est probablement ce que tu t'es procuré. Donc, c'est Beachbody and the Men avec Shakeo ou Produit Performance. Donc, ça, c'est le Success Club qu'on appelle. Comment ça fonctionne, le Success Club? C'est que chaque fois que tu vends une trousse avec le Beachbody and the Men et le Shakeo ou Beachbody and the Men et Produit Performance, tu as 2 points. Ça, c'est des points Success Club qu'on appelle. Donc, chaque mois, le standard que Beachbody nous fixe, que nous suggère de faire, si tu vas avoir les petits cadeaux et les petits plus, c'est de faire Success Club 5. Donc, d'aider 3 personnes par mois. Donc, le Success Club, c'est ça, c'est vraiment, si la personne achète que Beachbody and the Men, ça ne te donne pas de Success Club. Tu vas avoir la commission quand même, c'est un revenu intéressant, mais ça ne donnera pas de points Success Club. Autre chose super intéressante, dans tes 6 premiers mois, quand tu t'inscris, tu as les 6 prochains mois pour faire 3 fois, 3 mois différents, un Success Club 5 ou plus. Donc, si dans tes 6 mois, tu as 3 mois que tu as fait le Success Club 5, tu deviens donc Success Starter, qu'on appelle. Ce que ça fait, c'est que tu as ton billet pour le Summit gratuit. Donc, le Summit, c'est un événement qui se passe cette année à la Nouvelle-Orléans. Donc, tu as ton billet gratuit pour pouvoir t'y rendre. Et l'autre chose qui est vraiment, vraiment intéressante, que je n'avais pas quand j'ai commencé, c'est que ça te permet de faire un groupe test qu'on appelle. Donc, chaque lancement de programme, il y a des groupes tests. Donc, présentement, le prochain programme qui va sortir, c'est le 10 Rounds. Mais il y a des gens qui font ce test-là, qui font ce programme-là avant tout le monde. Donc, ceux maintenant qui peuvent le faire, c'est ceux qui ont le Success Starter, donc qui ont Success Club 5, 3 fois dans leurs 6 premiers mois. Voilà. J'avais-tu d'autres choses à ajouter là-dessus? Qui inviter facile, aussi facile que d'aller contacter les gens qui ont liké vos posts, qui ont commenté vos posts. C'est toujours les personnes les plus intéressées souvent qui vont les liker, les commenter. Les gens qui voient vos stories aussi, aller parler à tous les gens qui voient vos stories. Donc, c'est des petits trucs qui vont faire en sorte que les gens vont vouloir s'associer avec vous. Et poser beaucoup de questions. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de poser des questions aux gens, de les écouter. Le centre de l'attention, ça doit être eux. On doit vraiment les soutenir, sentir qu'ils sont enveloppés, qu'ils sont bien soutenus finalement dans leur démarche. Comment créer une annonce de défi? Je ne rentrerai pas dans les détails. Ce n'est pas le but de l'annonce du call de ce soir, mais c'est super important de mettre ça à votre image à vous. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est vous. Parce qu'on a tous le même produit. Si on met toute la même photo de ici, c'est Jericho qui est en train de faire son saut, bien, vers qui je vais aller? Je vais aller vers celle qui
a pas mis la photo de Jericho, puis vers qui je m'identifie. C'est super important de faire voir vos couleurs à vous, de faire voir qui vous êtes au travers de vos posts, même si on a tout le même programme à vendre. En fait, la personne va s'associer à vous par votre personnalité, puis parce qu'elle clique avec vous, puis parce qu'elle se rejoint avec vous. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur les défis. Comme c'est ici, je vais juste passer ça. Les conversations, c'est des choses qui sont super importantes. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais dans tes premières conversations, tu ne dois pas avoir cette intention de vente. Tu dois avoir l'intention d'aller vers les gens, d'être super enthousiaste, de voir parler de ce qui fonctionne pour toi puis pouvoir les aider. Donc, l'objectif, c'est de contacter 3 personnes par jour. 3 personnes par jour, ça devrait te prendre maximum 10 minutes, puis c'est terminé. Donc, je te donne comme devoir, comme mandat, de faire ça tous les jours. Donc, si ce n'est pas fait, avant de te coucher, prends 10 minutes avant de te coucher, va écrire à 3 personnes, prendre de sa nouvelle pour, comme je disais, les gens qui ont liké tes posts, qui ont commenté tes posts, les gens qui ont vu tes stories. Donc, 3 personnes par jour ou 20 par semaine. Donc, l'intention n'est pas de closer une vente tout de suite au début, c'est vraiment d'aller jaser avec elle et de prendre de ses nouvelles et de créer une liste de contacts. Challenge pack, qu'est-ce que c'est? C'est comme je disais tantôt, un challenge pack, c'est une trousse de défis. C'est ce qui te donne 2 points Success Club. C'est des Beachbody on Demand ou ça peut être un plan alimentaire, donc le To Be Mindset ou le Portion Ultimum Fix. Tu peux y arriver. Avec chez Keo ou Produit Performance. Donc, c'est ce qui te donne 2 points. C'est toujours ce qu'on propose en premier, mais ça reste que faut vraiment identifier les besoins de la personne. Si la personne te dit qu'elle a énormément d'intolérance alimentaire ou des choses comme ça, bien, on n'ira pas avec nécessairement le chez Keo. On va y aller peut-être juste avec le Beachbody on Demand ou juste le To Be Mindset ou peu importe. Mais à la base, on propose toujours le challenge pack parce que c'est la solution la plus avantageuse pour nos clients. Une petite recap de comment faire de l'argent avec nos programmes. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner une idée, mais il y a plein de solutions, plein de façons. Donc, exemple, le premier mois, j'ai mes 3 clients avec mes CP, mes challenge packs. Ça me donne 3 fois 50, donc ça me revient à 150 $ de commission que j'ai faite mon premier mois. Dans mon deuxième mois, j'ai les gens de mon premier mois qui vont peut-être renouveler le chez Keo. Donc, admettons qu'elles renouvellent, les 3 personnes renouvellent leur chez Keo, ça me fait 32 $ fois 3. Plus mes 3 nouvelles personnes qui ont leur challenge pack. Donc, ça me fait un total de 246 pour le deuxième mois. Ainsi de suite, comme ça, quand on avance, bien, ça fait en sorte que les renouvellements nous créent aussi une commission super intéressante. Donc, c'était juste un petit calcul rapide pour vous montrer les possibilités, mais il y en a vraiment plusieurs. Comme je disais, il y a d'autres façons aussi. Ça peut être avec Beachbody On Demand annuel qui est à 5, qui nous revient à 45 $ de commission. Oups, excusez. Et chez Ecology aussi, seul nous donne des points, nous donne 2 points Success Club et nous donne aussi une commission. Donc, il y a vraiment plusieurs. À chaque fois qu'on vend quelque chose, finalement, il y a une possibilité de commission à cet endroit-là. Deuxième palier de rémunération, pourquoi il est ultra important de devenir Emerald? Parce qu'à ce moment-là, on débloque un revenu qui est appelé boni d'équipe. Donc, grosso modo, c'est avec le volume qui se génère dans ton équipe. Ça te prend 200 points
c'est du chinois un peu ce que je vous dis là, mais ça va se clarifier avec le temps. Ça prend 200 points d'un côté et 100 de l'autre pour avoir un bonus d'équipe. Là, en étant émeraude, c'est 14 $ par bonus d'équipe. Donc, comment on devient émeraude? Super simple, ça pourrait et ça devrait être fait dans votre premier mois. Bien entendu, si votre objectif est de grandir votre entreprise, si votre objectif est de simplement vous motiver vous-même à être dans votre mise en forme, d'être plus constante dans votre mise en forme, ce qui est tout à fait correct aussi, mais à ce moment-là, vous irez peut-être pas dans cette optique-là, mais si vous voulez vraiment développer votre entreprise et vous faire un revenu supplémentaire constant avec Beachbody, bien, c'est la première chose à atteindre, c'est le rang de émeraude. Donc, ce qu'il vous faut, c'est deux coachs dans votre équipe. Je dis coach, mais ce n'est pas nécessairement des coachs qui sont actifs et qui veulent développer l'entreprise comme vous. Ça peut être des clientes qu'on va nommer des clients de privilège, des coachs à rabais. Et elles vont avoir le même titre que vous, mais elles ne voudront pas nécessairement pousser la business, mais elles vont profiter du 25% de rabais sur tous leurs produits. Donc, c'est super avantageux pour elles aussi. Donc, en signant une coach, une cliente et de l'autre côté, votre conjoint, parce que c'est ce qu'on suggère, parce que votre conjoint, en signant votre conjoint, c'est un revenu supplémentaire encore quand on avance dans l'entreprise. C'est sûr que là, c'est beaucoup d'informations et je ne veux pas entrer dans ces détails-là, mais en mettant votre conjoint, ça va créer du volume, ça va vraiment aller booster votre revenu. Donc, conjoint avec une cliente, émeraude. Tchoum! Super facile. Les deux doigts dans le nez. Donc, puis après ça, il va y avoir plusieurs autres étapes à franchir. Puis deuxième, pourquoi vous devriez devenir émeraude? Principalement parce que ça vous crée un revenu supplémentaire. Puis deuxièmement, parce que ça va aider votre coach à vous à atteindre d'autres rangs, comme quand vous allez avoir vos coachs à vous qui vont vous aider à grimper en rang. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe avec Beachbody, ce qui fait en sorte que si vous, vous avez le désir d'avancer, bien, ça va aider votre coach aussi à avancer. Donc, c'est vraiment un beau travail d'équipe. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'ai à vous dire, c'est une chose à la fois. On ne stresse pas avec ça. La seule chose importante, c'est de passer à l'action parce que si on attend, ça n'arrivera jamais. Hein? C'est maintenant ou jamais. Non, c'est pas maintenant ou jamais. Il va toujours être le temps, mais... passez à l'action, gang. Ça, le moment parfait n'arrivera jamais. Le poste parfait n'arrivera jamais. C'est juste de se lancer. Puis, à la limite, vous allez vous planter, puis vous allez vous tromper, mais vous allez apprendre de ça. Puis après ça, vous allez être capable de focusser et de trouver des meilleures façons de le faire. Donc, si vous n'avez pas terminé votre formation de base, très important de le faire. Ça va vraiment vous guider. Engagez-vous dans un programme alimentaire et dans un programme d'entraînement à 100% et parlez-en à Floyd sur vos réseaux sociaux, puis invitez 3 personnes par jour. Donc, c'est vraiment ce que j'ai à vous dire pour le recap de la formation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a le chat que je ne vous ai pas dit qui est aussi si vous ne voulez pas vous démuter. Sinon, ça fait le tour. Puis, gênez-vous pas. Dans la brigade ou avec votre coach à vous. Puis même si ce n'est pas votre coach à vous, on est vraiment une belle équipe. Donc, gênez-vous jamais de poser des questions. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Puis, je vous dis bon succès! Bye!